Xalkin fabrique des machines de capsulage sur mesure. Ces machines de capsulage sont des machines de bouchage, de vissage et de sertissage de tout type de flacons, et nous livrons les industries aussi différentes que les spiritueux, les boissons, l'alimentaire, comme les pots de café par exemple, ou d'autres industries comme les produits d'entretien, détergents et les produits chimiques. Et nous vendons chaque année 200 machines, sachant que nous avons une base installée de machines dans environ 120 pays aujourd'hui. L'innovation est absolument majeure pour Xalkin et pour nos clients. Nous travaillons avec les plus grands donneurs d'ordre des différentes industries que j'ai citées. Et aujourd'hui, nous évoluons dans un monde qui va vers l'industrie 4.0, donc avec des machines qui doivent être de plus en plus simples, de plus en plus sûres, très flexibles, sur lesquelles on va embarquer de l'intelligence qui vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive sur ces machines, de pouvoir suivre et de pouvoir corriger éventuellement toute difficulté que les opérateurs pourraient rencontrer lorsqu'ils opèrent cette machine. Xalkin a construit sa réputation sur près de 85 ans d'histoire, avec une expertise très forte sur son métier, de faire des machines sur mesure, de la machine spéciale. On travaille toujours en fonction des besoins de nos clients, et donc avec des développements et de l'innovation en permanence pour améliorer ces machines. Ça fait partie des qualités et de la réputation, c'est le service. Nous fournissons un service à nos clients dans tous les pays où nous opérons, et également sur la robustesse de nos machines, qui bâtissent ainsi cette réputation qui fait que nos clients ont confiance en nous. Et il est courant de dire, si Xalkin ne sait pas faire, personne ne saura faire. Xalkin est en forte croissance. Aujourd'hui, cette année, nous allons expédier quasiment 25% de chiffre d'affaires machine en plus que l'année dernière. Donc on a une forte croissance. On cherche à développer un certain nombre de métiers et de capacités pour nous permettre de suivre cette croissance, voire même de l'anticiper. Ce qui nous oblige à investir, donc à investir dans des machines, dans de nouvelles machines en particulier d'usinage. Ce qui nous amène également à anticiper sur une extension. Ce sera la 7e extension de l'histoire de Xalkin depuis 1963. Et avec ce qui nous permet également de reconsidérer tous nos flux internes et d'optimiser la manière dont nous travaillons. Et puis aussi, ce sont les hommes. Cette année, nous avons recruté 42 personnes, certains pour départs en retraite, pour compenser les départs en retraite, et d'autres pour gérer cette croissance. Et nous prévoyons de continuer sur ce rythme dans les années à venir.